Je considère que la visite ad limina est un temps de grâce et d'espérance. C'est en fait d'abord un pèlerinage. Tout le monde le sait, nous allons visiter les grandes basiliques romaines et nous recueillir tout d'abord à Saint-Pierre et ensuite à Saint-Paul sur les tombeaux des apôtres. Et pendant ce pèlerinage, qui est un moment très fraternel entre les évêques qui participent à la visite ad limina, il y a un moment important, particulièrement important, c'est la visite faite au pape en tant qu'il est successeur de Pierre et serviteur d'un titre particulier de la communion dans l'Église. Et cette année, la visite ad limina m'a donné la joie de rencontrer avec mes frères évêques Benoît XVI. Une rencontre inoubliable. On ne peut pas être en contact avec le pape sans d'abord bénéficier de sa grâce profonde et pour Benoît XVI, faire l'expérience d'une immense bonté, de beaucoup d'humilité, d'une qualité d'écoute exceptionnelle et enfin d'encouragement dont nous avons tous besoin. Nous nous sommes sentis très proches de lui.